Donc moi je m'appelle Julien Juban, je suis fauconnier depuis 28 ans. Mon travail ici sur la ville de Moulins, depuis 3 saisons, je m'occupe de la population des tourneaux sur la ville. Le but, c'est de les déloger de manière assez rapide. Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils commencent à avoir une vague de migration à peu près entre fin juin et début juillet. Donc là, on a fait une intervention début juillet pour débarrasser de tout l'été la ville des étourneaux, parce que sinon, ils y resteraient tout l'été. Et puis là, maintenant, on est sur la vague descendante à l'automne, donc à la fin de la saison des fruits. Les vendanges sont terminées, maintenant, ils reprennent le chemin inverse, donc ils redescendent en Afrique pour passer l'hiver. Et donc, ils viennent, ils se posent sur la ville de Moulins. On est en plein sur le couloir de migration, du coup, à chaque vague de migration, les étourneaux viennent, ils se posent sur certains axes et sur certains platanes de la ville de Moulins. Donc moi, je vais utiliser donc la fauconnerie, donc avec les oiseaux, mais on va mélanger aussi la pyrotechnie, donc c'est des fusées détonantes ou sifflantes, pour leur faire peur. Et leur but, c'est de mixer plusieurs méthodes d'effarouchement. Là, par exemple, maintenant qu'il fait nuit noire, je vais les empêcher de dormir toute la nuit avec un laser, où je vais aller les empêcher de dormir. Dès que ça commence à s'endormir, leur remettre un coup de laser qui se réveille. Le but, c'est de leur faire passer le moins de temps possible à dormir pour les fatiguer un maximum. On va jouer sur leur mental, hein, et au bout d'un moment, ils en ont très vite marre. Logiquement, d'ici 3 soirs d'opération, il n'y a plus rien.